La première fois que nous avons été en contact avec les Lycaons, c'était en Afrique du Sud, en juin. Des amis vétérinaires étaient venus vacciner contre la rage des Lycaons munis de colliers émetteurs. Élevés en captivité, ils étaient maintenant prêts à être relâchés. Leur anesthésie nous donna des sueurs froides, tant la réaction à l'injection était différente de celle de chiens domestiques. Seul l'antidote les tira de ce sommeil impressionnant, les ressuscitant en quelques secondes. Dès ce moment, le sort de ce canidé, cousin du chien ou du loup, attira notre attention. Avec seulement 3 à 4 000 individus sur tout le continent africain, le Lycaon était très vulnérable et méritait amplement son statut d'espèce gravement menacée. Autrefois, on pouvait trouver des Lycaons dans 39 pays différents, jusque sur les flancs enneigés du Kilimandjaro. Aujourd'hui, le wild dog, pour reprendre le nom qu'on lui donne en Afrique australe, n'est plus réellement présent que dans 4 pays. Pour retrouver sa trace, il nous a fallu remonter jusqu'au nord-ouest du Zimbabwe. Nous connaissions déjà les savanes de l'Afrique australe. Nous les avions traversées il y a une dizaine d'années à l'occasion de notre tour du monde à moto à la recherche d'espèces animales insolites que l'on croyait disparues. Si nous avons troqué le deux roues pour le 4x4, c'est que Julie, notre petite fille de 3 ans, nous accompagne maintenant dans nos aventures. Le véhicule a changé, mais l'objectif est resté le même. Vivre notre passion du voyage et de la faune sauvage tout en exerçant notre métier de vétérinaire. Bon, on mangera dessus tout à l'heure. Moi aussi, je vois. Voilà. Un peu plus par là. Maman, il y a un piquet pour vous. C'est bon ? Tu prépares l'autre ? Il y en a encore deux, là. Il y a les deux autres. Notre mode de vie n'a pas changé, lui non plus. Nous sommes toujours des adeptes du plein air. Cette tente n'a sans doute pas le confort des lodges 5 étoiles que l'on trouve dans les réserves d'Afrique du Sud, mais le camping reste la meilleure solution pour être au cœur de la vie sauvage. Tu peux me donner le dernier piquet que tu as monté, là, s'il te plaît. Une sardine qui est complètement tordue, là. Tu en as une bonne, toi? Bah, j'en ai eu qu'une. Tu m'aimes? Salut, j'ai mis. Ça, on dirait une baleine qui plonge. Oui, mais c'est l'Afrique, Julie. Mais c'est l'Afrique, la baleine qui plonge. Et là, pour l'instant, on est là. Ce voyage sur les traces des Lycaons nous entraîne donc à l'ouest du Zimbabwe, près des chutes Victoria, dans l'un de ces rares territoires qui ne figurent pas toujours sur les pages des atlas. C'est là, au cœur du bush, que nous avons rendez-vous avec Greg Rasmussen, un biologiste. Greg étudie les Lycaons depuis près de 10 ans. Alors on roule en faisant des grands cercles comme ça, les chiens sont à l'intérieur, un jour fatalement ils vont vouloir traverser. Parfois on fait ça pendant des semaines, chaque matin, chaque soir. Finalement ils traversent. Ensuite pour les suivre, tu vois, on fait des cercles de plus en plus petits, comme ça. On suit les traces, puis on fait des cercles encore plus petits, ici. Alors on les localise. Après, tu sais ce qui arrive? Ils te mordent. Pour repérer le passage des Lycaons, Greg a mis au point une méthode simple mais ingénieuse qui consiste à attacher un arbre mort à l'arrière de la voiture. Jealous, le pisteur de Greg,
choisit la branche d'épineux qui va nous permettre de balayer la route et de recouvrir les ornières. Il cherche une nouvelle. Il y a des lycaons qui sont par ici et il n'a pas encore réussi à les trouver. Quand ça va racler le sol, bah ça va faire tout plat et tu verras plus les traces ni rien. Comme ça, s'il y a un wild dog qui passe, on le verra. La nuit tombe vite en Afrique australe. Julie est un peu fatiguée d'avoir été ballottée sur les pistes du bush, mais de retour au bivouac, elle trouve encore la force de nous aider à préparer le dîner. Nous discutons avec Greg des méthodes qu'il a mises au point pour suivre les lycaons. Le repérage des traces sur les pistes et l'utilisation des colliers émetteurs. Les lycaons sont des animaux nomades qui ont besoin de grands espaces. Ils sont capables de couvrir près de 30 km en une seule journée. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Tu penses que les lycaons ont une chance de se multiplier à nouveau ? Le Zimbabwe est le seul pays où la population s'est développée naturellement. Il y a 10 ans, on ne dénombrait que 600 lycaons. Aujourd'hui, on en compte 750. Le lendemain matin, nous repérons des traces de lycaons sur la piste. Greg explique que ces empreintes sont distinctes de celles des hyènes et même des chiens domestiques. Le coussinet à l'arrière est plus arrondi et l'angle d'impact est différent. C'est un chien unique en son genre puisqu'il n'a que 4 doigts. Ces excréments noirs, dont l'odeur forte rappelle un peu le goudron, permettront à Greg de déterminer avec précision le menu des wild dogs. D'après cette crotte, il s'agirait d'une petite antilope diker. On sait que leur repas préféré est la gazelle impala, qu'ils peuvent dévorer entièrement jusqu'au dernier os. Dans celui-là, apparemment, c'est des poils de duker, il a dit que c'était des petits poils. Mais quand il mange un coudou, il dit qu'il y a énormément de poils, c'est presque que des poils qu'on retrouve dans les crottes. Oui, duker, en français, c'est céphalof. Hein. Un petit céphalof. Ouais. Ouais, apparemment, c'est un petit céphalof qu'ils auraient mangé. Mm. Grâce aux traces que nous avons repérées et aux signaux émis par le collier, nous allons pouvoir nous approcher en voiture à moins de 50 mètres du nouveau terrier des lycaons. Greg savait qu'ils avaient changé de terrier, mais il n'était pas encore parvenu à le localiser. Juste avant de partir à la chasse, les lycaons se livrent à une sorte de danse de guerre autour du terrier. Les adultes, surexcités, se stimulent les uns les autres. Ils se lèchent les babines, se mordillent et courent dans tous les sens. Julie, intriguée, observe ce petit cérémonial. La meute est habituée à Greg et tolère bien notre présence. Anne Steinlein est une jeune artiste qui nous a accompagnés pendant une partie de notre voyage. Ses croquis d'animaux, qui renouent avec la tradition des carnets d'expédition, seront pour nous aussi précieux que des photos.
Dans un instant, les adultes abandonneront les jeunes licaons près du terrier à la garde de la femelle dominante. Ils se faufileront à travers les bosquets très serrés qui les protègent de leurs ennemis les lions. Difficile de les suivre. Dès le lendemain, nous partons avec Greg. Il peut suivre le parcours de la meute sur une carte de la région grâce au collier émetteur que porte un des licaons. Greg a mis au point un nouveau type de collier émetteur. Il permet aux licaons d'échapper aux collets des braconniers et des fermiers. Car au Zimbabwe, de nombreux fermiers sont excédés par le passage des wild dogs qu'ils accusent de décimer leurs troupeaux. Il est vrai que les licaons parcourent des dizaines de kilomètres à travers les parcs nationaux et les terres des éleveurs pour trouver leur nourriture. Ce qui nous a beaucoup surpris, ce sont justement les performances de ce chien. Un coureur d'endurance doublé d'un fin stratège qui se distingue par ses techniques de chasse à l'efficacité redoutable. La meute opère d'une façon très cohérente. Elle se déplace sur le terrain comme une équipe de football. L'efficacité de sa chasse lui a valu une réputation de cruauté à l'origine de sa persécution. Le licaon tue sa proie et la consomme sur place à toute vitesse avant l'arrivée des lions, des hyènes et autres voleurs de proie. Son estomac est capable d'ingurgiter jusqu'à 5 kg de viande. Un système digestif particulier lui permet, à son retour au terrier, de nourrir les petits en régurgitant la viande. Même si cette orgie de viande est ponctuée de cris de stimulation et parfois de tentatives d'accouplement, il n'y a pas de réelle compétition au sein du groupe. L'objectif premier des licaons, lorsqu'ils chassent, est de ramener la viande à leur progéniture. Découverte. Aujourd'hui, c'est une grande première, elle va à l'école. Car Greg ne se contente pas de suivre et d'étudier les animaux. Il s'emploie aussi à sensibiliser les chasseurs, les fermiers, les villageois et les écoliers à la protection des licaons. Nous le suivons donc à Ngamopai, dans une école de la brousse, où il intervient régulièrement pour que les enfants se familiarisent avec le licaon et prennent conscience de son importance dans la chaîne écologique. Nous avons mis ce collier spécial sur deux licaons la semaine dernière. Le bruit émis par le collier donne une indication précise sur les activités de l'animal. Le signal, en effet, est plus ou moins rapide selon qu'il se déplace ou se repose. What's this sound?
Avec le son émis, nous pouvons non seulement détecter où sont les lycaons, mais aussi savoir ce qu'ils font. Même si je ne peux pas les voir, dans la brousse épaisse, on les entend très bien. Écoutez attentivement celui-là. Le son est très rapide. En bon pédagogue, Greg vérifie si les enfants ont bien retenu les leçons de la fois précédente. Il leur demande s'ils savent encore imiter le cri d'une gagnana. Une gagnana, c'est le nom que l'on donne au lycaon en Sindebele, l'un des dialectes du Zimbabwe. Au retour de la chasse, la meute, qui compte une trentaine d'individus, contre parfois une centaine au début du siècle, retrouve le terrier ainsi que la femelle dominante qui était restée auprès des petits pour les surveiller. Les jeunes lycaons font l'objet d'une grande attention car ils sont le garant de la survie de l'espèce. Plus ils seront nombreux, plus forte sera la meute et plus grosses seront les proies auxquelles elle pourra s'attaquer. Il faut donc qu'ils soient bien nourris. Vu, les lycaons se ressemblent tous. Mais quand on se donne la peine de les observer, on remarque que la robe de chaque animal présente des motifs différents et constitue son identité propre. À la naissance, le pelage est noir et blanc. La couleur rousse ne fait son apparition qu'au bout de 5 semaines. C'est à l'âge de 3 mois que les lycaons, comme pour mieux se camoufler, se couvrent de taches jaunes et brunes. Une palette automnale, difficile à définir, qui se font avec les teintes des feuilles et des arbres environnants. Greg dit que les chiens se maquillent chaque matin. Il arrive que la meute se divise et traque plusieurs proies à la fois. Ainsi, à la manière des canadaires qui viennent larguer leur réservoir d'eau, les lycaons nourrissent leurs petits par vagues successives. Les bébés quémandent la viande auprès des adultes et stimulent la régurgitation en leur mordant les babines et en gémissant. Greg nous a expliqué qu'en règle générale, les bébés lycaons naissent dans des terriers qui ont la forme d'un tunnel. Ils restent à l'intérieur pendant 3 ou 4 semaines, puis sortent faire leurs premiers pas sous la surveillance de la mère et de tous les membres de la meute. La femelle lycaon, après 9 semaines de gestation, peut avoir entre 3 et 17 chiots par portée. Les chiots qui titubent encore n'ont que 4 ou 5 semaines. Ils ne sont pas tout à fait sevrés, mais déjà ils consomment de la viande et commencent à s'émanciper. Ils se livrent à des courses-poursuites et de petits combats, premier entraînement à la chasse. C'est à l'âge de 3 mois qu'ils quitteront le den pour suivre la meute et finalement reprendre leur vie de nomades. À moins que d'ici là, ils ne soient emportés par un lion.
Maman, tiens, tu peux le mettre dans le feu, ça. Vas-y, mets-le, toi. C'est notre dernier petit déjeuner avec Greg qui nous a fait partager sa passion pour les wild dogs. Pardon, les licaons. Greg n'emploie jamais l'expression wild dog, chien sauvage. Il préfère utiliser une autre dénomination, moins péjorative, painted hunting dog ou licaon pictus, le loup bariolé. La réserve de Moremi est située en bordure de l'Okavango, ce grand fleuve qui s'évanouit dans les sables et donne naissance à une multitude de lacs et de marais. Par là, là, regarde. Où ? Là, il y a les deux, et puis ceux qui étaient, il y a ceux qui étaient sur la rive. Ah oui, il y a celui qui est dans les joncs, là-bas. Oui. La réserve de Moremi est une véritable arche de Noé, et pour Julie, une formidable leçon de sciences naturelles. Sur les berges de l'Okavango, elle se familiarise avec les oiseaux de l'Afrique australe. Le ciel, c'est là le ciel, d'accord. Parce que là, c'est l'eau. Voilà. Il y a bien ton oiseau. Il ne faut pas se fier à l'apparente bonhomie des éléphants qui viennent boire nombreux au point d'eau de la réserve. Ils sont capables de commettre d'importants dégâts dans les cultures et dans les parcs, d'arracher les arbres et de piétiner la brousse. Au Botswana, certaines concessions voisines des réserves tolèrent la chasse à l'éléphant.
Regardez celui-là, que ça se perd. Celui-là, il va nous envoyer de l'eau. Prémonition ou simple coïncidence, notre dessinatrice était en train de peindre un éléphant le matin même où j'ai commis l'erreur de vouloir me mesurer avec le seigneur de la brousse. Cet éléphant s'approchait dangereusement de notre campement et dans une attitude provocatrice, je tentais de le repousser. C'est un défi dangereux et inutile que je ne recommande à personne. Plus on provoque les animaux sauvages, plus ils deviennent irascibles. Restons chacun à notre place. Vers la fin de l'après-midi, nous arrivons dans le campement de deux chercheurs, Peter Katt et sa femme Kate. Peter et Kate sont biologistes. Avant de s'installer ici, en bordure de la réserve de Moremi, Peter étudiait les lycaons au Kenya. Aujourd'hui, il s'intéresse surtout aux lions, à leur comportement et à leur reproduction. On ne pouvait rêver meilleur guide pour nous parler des lycaons du Botswana et de leur relation avec les autres prédateurs. Oh non, c'est parfait. Have you got the message today at the radio? Yes. How are you? Good to see you. Right? Mr. Star War is. Peter et Kate vivent depuis 2 ans au milieu de la brousse avec 4 de leurs enfants. Et pour seuls voisins, les singes et les grands fauves. C'est maintenant au tour des petits humains de prendre leur bain. Ce soir, Julie partage la baignoire avec Oakley, le fils de Kate. Un moment privilégié qui permet aux uns et aux autres d'oublier la poussière des pistes et la fatigue du jour. You have to get washed. I can wash myself. Yes. I have some rice. Some can we wash it today? Peter et Kate ont transformé leur camp de toile en véritable maison de campagne, confortable et conviviale. Au cours du dîner, nous faisons la connaissance de plusieurs étudiants en zoologie. Ils sont venus mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'université et effectuent des recherches très utiles au travail des quatre. Le lendemain matin, Peter et Kate nous conduisent auprès d'un des groupes de lions qu'ils étudient. Leur recherche porte sur 80 individus au total, issus de lignées différentes.
Pour pouvoir les localiser, ils suivent, bien sûr, les signaux émis par l'écolier. Mais ils peuvent aussi observer les mouvements des vautours. Car les vautours, ces nettoyeurs de la brousse, traînent souvent dans le sillage des grands prédateurs. Les lions ne lâchent pas facilement leur butin et viennent parfois reprendre les proies qu'ils avaient cédées aux nettoyeurs. Une fois qu'il a repéré les lions, Peter procède à un fléchage. Comme Greg, il a mis au point toute une panoplie de méthodes d'investigation. Le fléchage consiste à tirer sur un lion avec un fusil à seringue pour prélever un fragment de peau. Peter nous explique que les prélèvements seront analysés dans un laboratoire. Les résultats lui permettront de déterminer l'identité génétique de chacun. Les lions, en effet, vont et viennent d'un groupe à l'autre et l'on ignore tout des liens de filiation qui existent entre les différents individus. Mais Peter sera bientôt en mesure de prouver que la consanguinité est faible au sein d'un même groupe. Pourquoi ? Prendre un petit morceau de peau. Pourquoi ? Pour faire une petite étude, pour voir un petit peu la génétique. Pour voir qui est son papa et qui est sa maman. If you can explain me afterwards what you want me to take the sample. Tu essaies de tirer une coup de flèche? Go for the back leg. Okay, before you do it, just. Okay, on y va. La lionne sursaute, mais l'opération est bénigne. La seringue tombe d'elle-même et Peter n'a plus qu'à la récupérer dans les hautes herbes. C'est maintenant au laboratoire de donner son verdict. Le lendemain matin, nous quittons la réserve de Moremi en faisant un petit crochet par un point d'eau où les éléphants ont l'habitude de prendre leur bain et de se désaltérer. Mais ceux-là sont méfiants et sortent tout de suite du marigot. L'un des pachydermes n'est pas véritablement enchanté de nous voir. Très vite, il se lance à notre poursuite et va tenter à plusieurs reprises de charger la voiture.
T'inquiète pas, t'es caché. Vitre arrière. Et boum. Et la défense a tapé contre le pneu, là. Et l'autre défense dans et la vitre. Et ping. Ça a éclaté, volé en éclats, quoi. Des trucs... Impressionnant quand même, mais non? Mais t'es déterminé, hein, il lâchait pas. Hein. You can still it, is it the first time? Is it the first time it happens to you? Is it the first time it happens to you? C'est la première fois qu'ils viennent aussi près parce que d'habitude ils s'arrêtent un peu avant. Heureusement qu'il y avait le pneu pour arrêter un peu parce que je te rends compte la force avec laquelle les défenses elles arrivaient à la moitié du truc arrière. Je pense qu'on devrait garder ce morceau en souvenir. Land Rover. Il faut pas aller voir les éléphants parce que après ils nous cherchent. C'est parce qu'elle était énervée celle-là. Ils sont pas tous comme ça. Après ces émotions, nous quittons le parc de Moremi pour le nord-ouest du Botswana où nous avons rendez-vous avec Marc, un autre passionné du Likaon. Hello. Hello. Did you bonjour? Serre la main. Hello, Mark. Pleased to meet you. Nice to meet you. Please come through to the ladder. Okay. How is your flat? Very good. Nice, nice. Good. Very good. Mark suit depuis plusieurs années les meutes de Likaon qui vivent dans la région de Kwando, une zone très propice à l'observation des animaux car la végétation y est plus clairsemée. Ici, pas besoin de collier émetteur. Les Likaon qui y sont implantés forment de grandes meutes faciles à repérer. Nous croisons d'ailleurs sur le chemin du camp un troupeau de zèbres suivi par une bande de Likaon. Même si la tentation est grande, les Likaon sont malins. Jamais ils ne se risqueront à attaquer les zèbres, car ceux-ci pourraient leur asséner des coups de sabot. Les Likaon, qui ont compris qu'il n'y a pas de jeunes dans le troupeau, abandonnent la partie et vont continuer leur chasse un peu plus loin. Depuis 3 ans, Marc observe un terrier situé à quelques kilomètres du lodge où nous habitons. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir approcher d'aussi près ce terrier fréquenté par une trentaine de Likaon. D'ordinaire, les chiens changent de terrier au bout de quelques mois. Mais ceux-ci n'ont pas déménagé depuis longtemps, sans doute parce qu'ils trouvent toutes sortes d'herbivores à proximité. Si
Ça, c'est une expression typique de soumission. Ils ont l'air affamés. Les petits sont sortis plus tôt du terrier cet après-midi. Et ils ne sont pas rassasiés. Ils sont toujours en train de quémander de la viande, alors ils stimulent les adultes pour qu'ils aillent leur chercher de la nourriture. Les petits sont plus âgés que ceux que nous avons pu observer chez Greg. Ils ont déjà entre 7 et 8 semaines, sont très vifs et commencent à investir le terrain autour du terrier, ce qui ne les empêche pas de continuer à téter leur mère. En voyant les licaons si unis, si solidaires, nous repensons aux réflexions de Peter sur le comportement des lions. Les lions, disait-il, sont égoïstes et n'apportent pas de nourriture à leurs petits. Il leur arrive même de se battre entre eux pour un morceau de viande. Chez les licaons, en revanche, le partage est toujours de mise. Ces petits ont toutes les chances de passer sains et saufs le cap des deux prochains mois. Leurs parents sont très vigilants et vont chasser pour eux deux fois par jour. Il n'y a pas de conflit chez les licaons, ni entre meutes, ni entre générations. C'est l'entraide qui prévaut. Ils sont très prolifiques et peuvent avoir jusqu'à 19 petits. Les vautours savent qu'après le déjeuner, les chiens ont l'estomac trop lourd pour pouvoir les attraper. Ils peuvent enfin chaparder les restes du repas des jeunes. Branle-bas de combat. Des éléphants s'approchent du terrier. Greg nous avait expliqué que les licaons sécrètent une odeur assez forte dont ils imprègnent leur territoire. Les éléphants, qui ont l'odorat très sensible, n'ont pu manquer de flairer cette odeur particulièrement répulsive. Les licaons ne s'attaquent pas aux éléphants. Il leur arrive, tout au plus, de poursuivre un éléphant blessé ou de manger le placenta des mères. Mais les éléphants ne supportent pas leur présence et barrissent pour intimider les intrus. Par un cri d'alarme spécifique, les parents inquiets ordonnent aux petits de regagner le terrier. Une mesure de précaution bien insuffisante quand on sait que les éléphants n'auront qu'à marcher sur le terrier pour écraser toute une portée.
Sur la route du retour, nous croisons un de ces multiples feux de brousse. Même si la savane s'y est désormais adaptée, il provoque la mort de nombreux animaux. Mais tu sais, c'est d'être la fumée de tout ce feu là qui retombe. Qui est retombé. Je sais pas si c'est vraiment de la brume parce qu'il n'y a pas d'humidité. Nous nous apprêtons à démonter la tente pour la dernière fois. Notre voyage au pays des Lycaons se termine. T'as bien dormi, Julie? Oui. Julie, ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Un toaster, Julie. Un toaster. Un grille-pain. Grille-pain. Oui. Peut-être plus par là. Julie songe encore aux petits chiots de la savane qui, comme elle, font l'apprentissage de la vie. Mais c'est là. Voilà, c'est bien. C'est le lit du lycaon. En mangeant nos derniers toasts à la mode de la brousse, nous pensons à tout ce que nous ont appris Greg, Peter et Marc. Ces hommes de terrain nous ont permis d'apprécier les qualités de ce mal-aimé de la savane. Derrière cet animal qui ne paie pas de mine, avec ses taches sales et ses oreilles de chauve-souris, se cache un père de famille attentif, doublé d'un infatigable marathonien. Aujourd'hui encore, trop de fermiers tuent ces loups bariolés. Contrairement à bien des idées reçues, ils ne font pas plus de dégâts que d'autres prédateurs. Certes, le lycaon n'est plus exterminé comme à la fin des années 50, mais il demeure le carnivore africain le plus menacé après le loup d'Abyssinie. C'est pourquoi il faut tout mettre en œuvre pour lui assurer les grands espaces de liberté que sa vie de nomade nécessite. Travailler à la création de corridors qui relieraient les grandes réserves africaines devient aujourd'hui une priorité en matière de conservation. La magie des savanes en dépend.